Personne de notre collectif peut être champion de France individuellement et ça va sourire à quelqu'un du collectif. On ne sait pas qui ce soir, mais il y en a un sûrement qui sera champion de France demain dans notre collectif si on a la copie parfaite, mais il faut rendre la copie parfaite. Les panneaux, quand vous verrez ça, vous saurez qu'au kilomètre qu'on va voir d'ici quelques instants, c'est full gaz. Une fois qu'on a fini le coup de gaz, faut qu'un mec attaque ou... On veut surprendre avec le coup de gaz pour éliminer certains coureurs qui pensaient qu'on allait le faire plus tard. Et là, on redistribue les cartes à partir de là. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important que Aurélie, Damien, vous soyez en nombre. Et après, ça va ressortir de derrière. Et c'est là que Paul et Benoît vont revenir sur ce groupe-là. Chaque mètre va être important pour prendre ce maillot bleu blanc rouge. Vous l'avez bien entendu, 2007, on veut ce putain de maillot. Donc demain, on a toutes les clés. On est deuxième équipe mondiale, les gars. On est deuxième équipe mondiale. Donc demain, au départ, on est plein fer avec cet objectif d'aller chercher ce maillot. Ok, les gars ? Paul Lapeyrat, sur le regard de Thomas Beauclerc, sur le regard de Laurent Jalabert, de nombreux champions qui étaient avec nous aujourd'hui, s'impose. Il n'a que 23 ans, mais quelle maîtrise de la course ! Il n'a jamais paniqué.